Donc, on a parlé beaucoup de Twitch dans les dernières entrevues, mais là, c'est tranquille. Il passe sa chance! Il passe sa chance! On peut écœurer d'en parler! Là, je trouve ça le fun, vous avez genre trois caméras. Fait que vous, j'entends là! À ce moment-là, on a fait un visionnement auprès de l'école, mais auprès de la classe. Et la classe a capoté sur le vidéo, demandé des suites, des choses. À ce moment-là, c'est juste que le petit étincelle est apparu. Là, je me suis dit, j'aime ça, mon anecdote, mon expérience. Je les parle là, en ce moment, on dirait que j'ai l'anecdote, cette expérience-là. Excusez-moi. C'est à ce moment-là, lorsque je suis arrivé au cégep, j'ai continué. J'avais ma petite bande. Il y a un comité que j'avais parti au collège Shawinigan. Donc, les personnes de Shawinigan qui s'écoutent, bonjour. au collège de Shawinigan, pendant 3 ans, j'ai pu travailler sur trois films différents, plus une série qui s'appelle Lupog. Et grâce à ça, on a pu faire 3 saisons de Lupog, dont une qui n'a pas été terminée malheureusement. Et tu jouais là-bas, tu filmais, surtout? Je faisais des réalisations, écriture, j'étais le personnage principal. Tu sais, le gars qui a un gros égo. Je suis sûr qu'on fait micromanagement. Non, c'est ça. Mais je voulais absolument vivre cette expérience-là, puis vu que j'avais volé à Picure, je voulais continuer dans ce domaine-là, parce que je me disais, hey, on crie pendant les tournages, on a du fun, on est en belle gang. Une sorte d'excuse pour laquelle on venait se regrouper après les cours, pendant les cours étudiants. On était dans un corridor filmé entre deux cours. Tu sais, des fois, je disais à mes amis, bon, OK, là, vous avez votre cours à ce moment-là, c'est le temps de venir filmer une prise dans un local au cégep. Mais ils disaient, oh oui, pas de problème, parce que avant ton costume, on va faire telle prise, telle affaire, ça va servir pour tel épisode dans la série. Fait que, automatiquement, mais avec qui on a continué. Et après le cégep, j'ai eu comme un an de remous, parce que j'adore dans une ville, parce que je me cherchais un peu, je savais pas trop quoi faire, j'essayais de me développer un adulte. Ça a échoué. How do I adulte? Et bref, ça a développé dans les pays. À un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, hey, t'as pas envie d'accompagner, on va aller à l'hôpital Piton. L'hôpital Piton, j'ai comme, ah, l'hôpital Piton, t'as rentré au cégep, je sais pas trop c'est quoi, mais j'ai des gens qui vont là en cosplay, et je veux absolument y aller. Fait que, on décide de commander un costume, moi qui mon ami, on amène ma soeur et sa copine dans le temps, et on décide d'y aller directement. Et moi, je me suis dit, j'ai pas de projet vidéo, ça fait un costume, mais je vais faire un genre de reportage, mais pour promouvoir, mais de façon positive. Moi, je me dis, je vais faire ça, toujours pour le trip, puis on va voir ça. Bref, le vidéo sort. Je pense qu'on a atteint dans les 2000 visionnements, juste la première vidéo, on a fait comme, OK, il y a quelque chose qui s'est passé. Automatiquement, j'ai fait comme, hey, je devrais peut-être le refaire. Ben, j'ai décidé de le refaire pour le Comic Con de Montréal. Ça a continué. Le monde, des fois, je me prenais dans les couloirs, puis le monde faisait comme, moi, j'étais là, il y a mes amis qui m'accompagnaient, ils faisaient comme, puis eux, on entend tout ton nom, il y a du monde qui chute ton nom. Non, franchement, t'as halluciné ça, tu peux pas. Non. Mais j'avais mes vrais cheveux, c'est mes vrais cheveux en passant. C'est juste gratuit. Non,
non, mais j'avais un côté de Terra de Kingdom Earth, Bird Dicey, les personnes qui connaissent. Après ça, c'est mes vrais cheveux, le reste. Après ça, j'ai décidé de faire comme ok, on va être un petit peu plus professionnel. Fait que le vestiment, le suit est arrivé tout de suite après. C'est arrivé à peu près dans la saison 2. C'est dans quelle année que tu es allé avec la première fois? En même 2011. 2011, quand même. Là, on est en 2016. Ça va faire 5 ans en août. Et la chaîne va avoir 10 ans en août. Wow! Pour diffuser des choses. Eh bien, dans ce temps-là, YouTube était beaucoup la plateforme expérimentale. C'est-à-dire que c'était l'endroit où on pouvait découvrir d'autres talents. Moi, je me rappelle quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, il y avait d'autres YouTubeurs qui ont été nommés Simoche. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui. On sait. Ils volent très bien les vidéos. Bonjour! Ok, je vous ai fait la peine à vous dire. Ok. Je pense que le boost pour ma chaîne personnellement, ça a commencé à partir de la saison 3. C'est-à-dire que là, on a commencé à avoir une équipe, on commençait à avoir plus de plaisir. Et le rendu commençait à être un tout petit peu plus professionnel. Puis ça apparaissait dans les rendus qu'on donnait dans les vidéos qu'on a fait. Sérieusement, le fait de travailler avec une équipe au lieu de travailler tout seul, puis d'essayer de se trouver comme un caméraman, en tout, t'as rien à faire, c'est quand tu me filmes, en tout, quelqu'un. J'ai été quelque chose comme une saison ou deux à demander ça. Et après, j'étais plus capable. J'ai dit non, je veux être bien entouré, je veux avoir du plaisir. Puis je veux partager ce truc-là en gamme. Fait que c'est pour ça que le fait de faire équipe avec des personnes comme Charles, présentement là, il regarde d'ailleurs, et Christian, qui a malheureusement pas pu venir. C'est ta faute qui se tient, t'es pas là! C'est ta faute! La nana n'est pas fière! La faute, j'avais dit de vous! Charles et Christian, j'ai pu les rencontrer en convention. Fait que c'est ça, puis j'ai vu qu'il y a une belle synergie, on connectait bien, puis on était capable de déconner en convention, hors caméra. Fait que là, j'ai fait comme, hey, ce chien-là, j'aimerais ça l'année directement devant la caméra. Et depuis ce temps-là, regarde, les un commence une joke, un autre la continue, un autre la termine. C'est le fun. Fait que c'est ce genre de chien-là que je veux. Je voulais absolument donner aux personnes qui nous écoutent. Que, je pense que c'est pour ça qu'on a autant de temps dans la façon. Vous êtes combien maintenant pour l'équipe ludique? Le coup de personnes qui sont apparentes en 4. Okay. Cependant, il faut compter aussi les personnes à l'arrière. Parce que maintenant, on est rendu avec un réalisateur, une personne qui s'occupe du montage audio, une personne qui aide au niveau effet, des fois il y a des personnes qui sortent pour le montage. Je pense qu'on est rendu comme une équipe de peut-être 8 personnes en tout. Fait que, c'est ça, il y a des personnes qui font comme ah, il y a beaucoup de travail, et tout, c'est pas juste moi. Je suis pas tout seul là-dedans, il y a beaucoup d'autres qui m'aident. D'ailleurs, je donne un shout-out à Jérôme Cloutier qui m'aide à la réalisation de temps en temps pour certains courts-métrages. David Bonneau de Zero Lag Gaming, comme mentionné tantôt dans les sportifs du clavier, qui m'a aidé pour le mixage audio. Jimmy Mikiki, qui a aussi aidé pour une chanson qui passe sur la tête, que peut-être certains ont entendu. Mais non, c'est ça. Puis, non, c'est ça. Je suis pas sûr là-dedans. Puis, je suis content de pas être sûr parce que je suis une bébête qui.
d'anxiété qui stresse beaucoup. Fait que moi, je suis capable de gérer aujourd'hui, je suis content. Mais si je n'avais pas une équipe avec moi, je pense que ça ne ferait pas longtemps. Ah non, d'accord, c'est bien d'avoir une équipe derrière toi parce qu'elles sont là pour te supporter. Mais je l'ai dit tantôt, je trouve ça le fun d'interviewer l'intervieweur parce qu'on voit tellement un autre facette de l'équipe qu'on ne voit pas nécessairement sur la caméra. Puis, vraiment, je trouve ça le fun. Tu as mentionné l'Epic Grand Battle qui fait que, à qui du note, je l'ai regardé un million de fois. Wow. Je l'adore. Et puis. C'est pas le jeu de 18 000 qui disait. Tu as réussi à réunir plusieurs personnalités du rock québécois, mais aussi la ligne de nous. Comment ça a fonctionné? Comment tu as réussi à réaliser ça? De où ça a parti? Quelle idée? C'est quoi le cheminement pour réaliser un essai de vidéo ultra comme ça? En gros, ça, de mon côté, pour revenir un peu à l'arrière, peut-être il y a quelques mois, j'avais parlé avec Jimmy Nelly lors de l'Animaracom, et là, on s'en allait, genre, je sais pas, mais c'est que dernièrement, là, je regarde les Big Brother, et c'est là, j'en sens pas. Mais je sais pas comment l'arranger, je sais pas comment arranger, tu sais, sur quel contexte et tout, mais j'aimerais ça. Et là, Jimmy me dit, ouais, ben, en termes de. Moi, je suis ouvert là-dessus, ça me tente, on en parlera et tout. Et c'est resté sur la glace. À un moment donné, le Geek Fest de Montréal, un contact me dit on a ça, tu viens faire du publicité pour le Geek Fest, parce qu'il est en train de parler de mes publicités, mes chansons pour le GNU. Et là, j'ai dit ok, parfait. Là, j'avais 8 mois d'avance. Et alors que normalement, j'ai toujours fait 2-3 mois d'avance. Là, j'ai fait comme ok, celle-là, j'ai envie de me gâter, je fais un épicard dans leur history. Là, j'ai fait un petit plan que j'ai présenté à Jimmy. Et là, j'ai été voir l'organisateur dans le temps, Jean-Philippe Cartin. Je lui ai dit, écoute, j'ai ce projet-là. J'aimerais ça le faire. Peux-tu me mettre en contact avec les personnes? J'ai dit, automatiquement, oui, pas de problème, je te mets en contact. J'ai eu une conversation avec Omega Zell, il y avait Pistos et Phantom sur Skype. On a jasé. Moi, j'étais dans mon Skype, j'étais comme, j'essayais de leur vendre le projet. Il y avait j'avais déjà enregistré comme un démo qui était une sorte de brouillon que j'avais coécrit avec quelqu'un d'autre. Et en gros, c'est ça, on a présenté comme le projet à ces trois personnes-là, et en fait, automatiquement, oui, on le fait, on était intéressés. Et c'était les premières personnes qu'on contactait, parce qu'on se disait, si ça ne marche pas avec nous, le projet, il faut le réviser. Donc, on y va une fois, notre conseil, il fallait absolument garder les plus petits joueurs, on y va en descendant, puis on y va en montant. Je crois que c'est égo. Mais dans ce plus petit youtubeur, on va jusqu'à nous. Ouais. Et lorsqu'on a accepté, automatiquement, on a contacté les personnes en ressources. C'est-à-dire, moi, je vais absolument travailler avec le professeur à l'époque, qui est juste ici, Chris Lépé, Gilles Bernatché. Meilleur candidat, un super président d'entrée. C'est moi le prix. Son château de saucisses. Oui, c'est un jeu. Oh, boy. Petite anecdote pour elle, moi, j'ai regardé comme le pré-show. Ouais. Il troll. Oui, il troll. Ok, merci. Parce que moi, je n'étais pas trollé, mais c'est comme, le Québécois moyen, il était comme. Il y a eu la période de l'histoire. Il y a eu la période de l'histoire. Il y a eu avant tout. Mais on s'entend toujours dire qu'il y a pas par exprès. C'est pas la même. Et son ordre de travail. C'est parfait. Mais j'ai rien pensé, c'est ça, c'est pas comme lui, là. C'est ça. Mais, non, c'est ça. Et, toutes ces invitations-là, de fil en aiguille, on a pu faire le projet. Par contre, on calcule création des décors, création de, le montage, le mixage audio. Tout ça, je pense qu'on y va avec 200 heures à peu près, juste pour cette vidéo. C'est beaucoup d'heures, je pense que c'est le projet qui est vraiment la qualité de production est juste malade. Tu regardes, mettons, les Epic Rap Battles qu'on voit en clip, on regarde ça, puis on fait comme, ok, hot dog, là,
next level, là, c'est step two, voilà, vous avez tellement accroché cette série-là, mais comme, I don't care. Mais tu sais, ce compliment-là, tu le prends pas juste pour moi, je le prends pour toute l'équipe, les personnes qui ont collaboré dans ce projet-là. Écoutez, si ces personnes-là n'avaient pas été là, le vidéo n'aurait pas été aussi épique que vous auriez pu le voir en ce moment. On en a parlé beaucoup tantôt, mais je voulais te poser la question. Bon, tu utilises YouTube, est-ce que tu as déjà pensé à faire le démarrage à Twitch? Aller en live au lieu de faire YouTube. J'ai fait du Twitch présentement. Okay. Fait que non, c'est ça en gros. Twitch.tv, c'est là je fais vraie musique. Pourquoi le vrai musique? C'est que c'est le temps de l'anecdote. Ah, non, mais en gros, je perds mon frère. Je perds ma bouteille d'eau. Okay. En gros, c'est ça, il y avait quelqu'un sur le Facebook sur le Twitch de Radio Talbot. Il a décidé d'arriver avec le nom de Luduc. Et là, à ce moment-là, j'ai quelqu'un qui vient me voir pendant que je suis en entrevue avec quelqu'un d'autre. Il me dit t'es-tu sur le chat de Radio Talbot? Je suis comme non, je suis pas là. Fait comme parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Luduc, puis tout le monde prend pas mal dans le cas, c'est Luduc. Fait que j'ai comme ah, ok. Mais au moment où j'ai fallu que je fasse le virage vers Twitch, je me dis bon, ok, Luduc est déjà pris. Le vrai Luduc. J'allais vraiment parler sur le Twitch de Radio Talbot. Là, Denis Talbot était comme le vrai Luduc. C'est-tu le vrai? C'est-tu le chaos que ça a donné? Mais c'est un plaisir à chaque fois. Mais pour ça, je vous écoute. Le fou Luduc. Non, mais moi, je suis le vrai Luduc. Le fou Luduc, c'est Luduc. En même temps, on va comprendre. Mais, ça, c'est 5 saisons pour la patate. C'est quasiment ça. Ça va venir. C'est un peu confusant, là, ton discours. Voilà. Oui, vraiment. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui regarde YouTube et qui est comme, waouh, c'est cool que c'est fait. Est-ce que tu aurais des conseils pour les aspirants? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont aussi senti sur YouTube, des conseils, ou des. Le faux pas que je remarque tout de suite, c'est lorsque les personnes viennent me voir, ils me disent je vais arrêter de faire du YouTube. Donc, je pose la question, pourquoi tu vas arrêter de faire du YouTube? Ils me disent parce que ça ne compte pas. Là, ma question tout à l'heure, je dis si tu as décidé de faire des vidéos YouTube pour juste devenir populaire, arrête tout de suite. Il faut que tu ailles avec la passion de l'important. Si tu as la passion, déjà qu'on est comme dans un entre-deux, parce qu'on s'entend pour dire que YouTube au Québec, ce n'est pas nécessairement la meilleure visibilité. Parce que selon Google, on est considéré comme c'est un coin anglophone, fait qu'automatiquement, il faut absolument embarquer comme dans le même groupe. Fait que pour les Québécois, soit qu'ils décident de parler en anglais pour passer aux États-Unis, ou ils décident de peaufiner leur français pour passer en Europe. Mais si tu y allais directement avec ta passion, si tu y vas pas avec ta passion, arrête tout de suite. Parce que tu vas faire ton vidéo, tu vas faire un souper parce que tu vas juste avoir fait 14 views ou quelque chose du genre. La passion ne sera pas là, tu vas décourager assez vite. Vas-y avec un projet que toi tu aimes. Et si jamais ça va, tant mieux. Vas-y, continue. Mais si tu ne fais pas, que tu veux juste avoir la popularité, ça va paraître dans ta face, ça va paraître dans ton contenu, ça va paraître dans tout. Fait que c'est ça, il faut. Au niveau du Québec, au niveau des views, puis des. Par exemple, quand quelqu'un est super populaire au Québec, combien il va avoir de views, combien il va avoir de. On a tous les chiffres de ça, on peut savoir les chiffres. Moi, je ne connais pas les chiffres automatiquement, mais je sais que. Non, ils vont pas avoir de mandat à l'église du tout, c'est sûr. Mais prochaine question pour Guy, d'après moi, mais je sais que. Comment ça s'appelle, non? Le double dans des faux, là, pas Guy, ça. Mais l'autre, là. Ben, j'ai perdu son nom. Comment ça s'appelle, non? Non, pas Georges. Ah, tu peux faire depuis, ils vont pas m'en revenir en fait, c'est pas grave. Mais en tout cas, bref, lui, c'est tellement précis ce que j'aime bien. Mais. Pierre-Luc Cloutier, excusez-moi. Je suis fatigué, excusez-moi. Mais non, c'est ça, lui, de son côté, considéré comme un des youtubeurs,
Mais écoute, les chiffres, je ne vais vraiment pas dire. Je ne vais pas commencer à dire. Ouais, mais toi, tu as fait un enfant, tu as fait un enfant. Non, mais pas vrai. Mais non, c'est ça. Mais il y a devant les limites nécessairement pour blesser au bout du groupe. Ça y va. C'est ça. Ça se dépend selon à quel point que tu deviens viral, à quel point que tes vidéos sont partagées, à quel point que de l'activité. Bref, tout est lancé un petit peu sur une sorte de sur un côté. Si tu réussis à avoir à prendre le train, c'est pour ça que tu ne manques pas le train, mais tu vas réussir à te plancher comme une couple d'abonnés en peut-être un vidéo, puis tu vas partir, puis tu vas pas être devenir viral, puis automatiquement tu vas devenir populaire, puis les gens vont parler de toi. Fait que tu sais, ça peut venir d'un aspect comme ça peut venir de l'autre directement. Ce que j'aime beaucoup aussi au niveau de YouTube, c'est pas parce qu'il y a une communauté qui s'est créée, c'est comme, on voit par exemple les autres vidéos, c'est comme, vous rejoignez tout à quelque part, je trouve que ça crée un espèce de famille, c'est vraiment fun, c'est beau parce que les générations d'enfants, comme dans le vidéo de la tête, c'est vrai, c'est fun, puis je pense que toi, tu as aussi réussi à l'apporter. Ce que j'aime beaucoup, c'est que t'apportes, c'est que tu as enlevé un peu le tabou du cosplay au Québec. Je sais que quand j'ai lancé le cosplay, on a compris ça, à l'idée. Parce que depuis le temps, c'est d'aller poser, puis pour eux, en tant que référent, je te remercie d'avoir fait ça pour nous, honnêtement. C'est toi qui t'es intéressé à ça, mais qu'est-ce qui t'a attiré dans le cosplay? Pourquoi dans les conventions? Pourquoi tu t'es allé chercher ça pour tes vidéos? Ben, moi, je voulais absolument faire la promotion pour quelque chose qu'il n'y en avait pas dans les médias populaires. On s'entend pour dire que lorsqu'on regarde la télé, les reporters n'ont pas le choix de se tourner vers, vers l'opinion populaire. C'est-à-dire que si c'est quelque chose de bizarre, automatiquement, ils vont traiter ça comme un truc bizarre. C'est ça. Des fois, les reporters, je sais que j'ai déjà vu un reportage de Richard Martineau, où ce que. Il va voir un cosplayer et ah, ok, toi tu viens encore chez tes parents. Dit, non, tu regardes un méchant gros stéréotype câble. Ouais. Excuse-moi. Et moi, mon côté, quand j'arrivais avec ce projet-là, je voulais pas arriver dans le côté négatif. Je me disais, écoutez, ces personnes-là se font assez blaster que je peux pas arriver et commencer à mettre une autre couche de plus. Hein. Moi, mon côté, j'ai dit, ok, en fait, moi je vais à contre-courant. Je montre à quel point que faire du cosplay, c'est cool. C'est pas, on prime en gagne, on y va, on est là pour chier, on est tout du monde normal, on a tout un sens de l'humour, on est facile d'accès. Fait que d'arriver avec ce concept-là, et les personnes qui viennent me dire, quand j'ai commencé le cosplay parce que j'ai regardé des vidéos, moi je regardais ça, j'ai fait quoi, c'est cool. Mais je pense que la communauté cosplay existait. La communauté cosplay existait bien avant. Il fallait juste comme offrir une tribune finalement. Ouais. Pour pouvoir montrer à quel point que. Regarde, on en a parlé tantôt du e-sport. Le e-sport, il fallait juste avoir une tribune pour pouvoir montrer aux gens que il y a moyen de triper là, avec ce média-là et tout. C'est la même chose pour les reportages. Fait que de montrer le côté positif de ça et de montrer à quel point que c'est peut-être bien. Fait que c'est ça, regarde, on se demande là-dessus, puis on a une question. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en est produit dans les prochains mois? Est-ce que tu peux nous dire un petit scoop ou... Oh, je le dis, scoop! Oui! C'est un trouble, là. Ouais, ok, on va dire la personne, à part ça. À part ça. À moins d'être 1500 auditeurs.
ça et ça met en vedette une belle petite brochette de pirates. Oh. J'ai bien hâte de vous montrer ça. Oh, et ça a été réalisé par Jérôme Poutier. Le montage est de lui. Le message audio, c'est fait par Zola Gaming. Moi, je chante. Oh, papa! Et il y a d'autres chanteurs comme Étienne Martin, Joanie Gauvin, mais c'est pas eux autres, vous allez voir notre vidéo, c'est trop du bleu. C'est ça qui est drôle. Et sinon, je suis en scénarisation présentement pour un projet qui pourrait peut-être voir le jeu. Je peux pas spéculer, je peux pas dire que ça va se faire nécessairement, mais j'écris pour peut-être un film. Wow! Musique de musical? Wow! C'est vrai! Est-ce qu'on va te voir dans les conventions cet été? Oui, en gros, vous allez me voir au Comic-Con de Montréal, au Tecton. Il y a d'autres conventions Animacom cet automne, sinon on continue dans le Comic-Con de Québec. Sinon, on va aller de retour GNB d'hiver. Et s'il y a d'autres éditions, on a des chiffres justement ce printemps, du 1er au 3 avril. Alors, c'est un rendez-vous.